Et bonjour à tous, épisode numéro 17 de notre let's play sur Wild Thing Y, les gens. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait la troisième arène qu'on avait réussi du premier coup. Et aujourd'hui, on va se rendre de nouveau à la tour maîtrise. On va faire un combat de Pokémon méga évolué. Ça va être l'apparition du coup de... Méga Dracaufeu... Y. On va d'ailleurs lui donner directement la méga gemme. Ça, comme ça, ça sera fait. Est-ce qu'elle est là-dedans? J'en sais rien. Si. Après, on aurait pu aussi donner la méga Brasigalite à... Enfin, la méga Brasigalite à Brasigali, bien sûr, mais bon. On a envie de voir Dracaufeu Y, bien sûr, à l'action. Méga Brasigali, c'est stylé aussi, je me dirais. Donc, faut se rendre à la tour maîtrise. Hein. Au sommet, la tour maîtrise, en l'occurrence. Donc c'est parti. Va, ma petite corps, l'héritière des sommets de la méga évolution est en sommet. Alors on peut grimper. Eh ben voilà. Merci à tous. Lucario qui méga évolue, on l'a déjà vu, méga Lucario, on va sûrement encore le revoir là, probablement. Mais il y a combien d'étages en vrai, c'est... impressionnant. Balayette. Pensez que découragé par son manque de talent, il aura abandonné. Ah, ça clash ici, hein. Apparemment, Platane est un gros nulos. Il sera content de savoir ça, mais si. Hein. Là, on est au sommet. Eh putain, il est. Là... Eh, c'est beau. En vrai, c'est bien fait, je trouve, quand même. Bien fait. La 3D est bien faite. Ah, mais non, mais les combats des méga évolutions, c'est. Je vais utiliser Lucario contre Lucario, je crois que c'est ça le bail. Donc, en fait, Dracaufeu, on le verra pas maintenant, quoi. Quand je regarde le ciel, je me sens toute chose. Je sens que Pokémon et moi, on peut tout faire, tout réussir. J'adore cet endroit. Je m'excuse encore pour tout, je t'ai fait valer 10 km, je sais. Pour recevoir le méga anneau, il faut venir ici, c'est la règle. Faut pas oublier qu'il faut viser toujours plus haut. Et voilà ton méga anneau. J'enfile le méga anneau sur mon bras gauche, bien sûr. Pour évoluer avec un méga. Pour faire méga évoluer Pokémon, il faut lui faire une méga gemme. Ensuite, pendant le combat, tu devrais voir si ton Pokémon peut méga évoluer. Le carré qui s'y prend. Tu vas te battre à ses côtés, Lucario. Mince, Lucario se sent plus proche des anciens de passage que de moi. Bon, ça fait mal à entendre, mais. Y'a pas de comme toi. Allez, prends mon Lucario avec toi et battons-nous. Moi aussi, j'utiliserai un Lucario. Ce sera un combat 1 contre 1, comme deux pros avec le même matériel. En plus, ils tiennent tous les deux le Lucarite. Ouais. Je sais pas ce qui motive ton Lucario ou l'envie de guerrer contre un Lucario, ou peut-être que tu dégages quelque chose qui l'intrigue ou le fascine. On peut y aller. Lucario, c'est l'heure d'en mettre plein la vue. Waouh. C'est l'héritière. J'ai envie de lâcher une ref, mais personne ne l'aurait eu, donc... 32. Ah, les niveaux n'ont pas augmenté, du coup. Regarde. Oh,
Le méga gant. Pardon. Non, on peut voir, je peux voir sa nature ou pas? Pas trop, hein. Bon. Il est plus rapide que moi. J'étais plus rapide que lui, plutôt, pardon. Donc bon, forcément. On comprend bien que les Pokémon, c'est génial. C'est un sacré combat, double méga Lucario et nous on a donné tout ce qu'on avait. D'abord pour les Pokémon te permettra de contrôler les méga évolutions, c'est sûr. Ça te dirait pas de prendre Lucario avec toi ou faire du jeu compète? Ouais. Ah oui, du coup on est obligé d'envoyer un Pokémon dans les boîtes PC quoi. On va envoyer Brazegali pour l'instant. Après bon. Mais Galou Cario c'est fort aussi, hein. Ça dépend de sa nature, etc. Tant qu'adressant, ces Pokémon peuvent se donner du courage. Tant qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes devant leur adversaire. Le monde ira comme sur des roulettes et sera rempli de sourires. Alors, voyons voir sa nature. Il a une nature qui est quand même intéressante, hein, en vrai, parce qu'il peut être joué du coup physique et spécial à la fois. Donc en vrai c'est plutôt fine, hein, je me l'avoue. Je vais jouer les deux. Est-ce que je garde Lucario ou je prends ou je reprends Brazegali? Après le problème de Lucario, c'est qu'il a besoin sûrement de sa méga évolution pour être fort. Ce Lucario normal, c'est un peu, c'est pas mauvais du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas non plus d'un goût absolu, quoi. Donc bon. Allô. On va continuer notre route du coup, hein. Ça a été rapide. Je sais pas si je dois prendre Lucario avec moi, pote. Et si par là on peut passer ou pas du tout? Ah non, ici c'est juste. Pas un ascenseur ici. Bon. C'est finito au moins. Qu'est-ce que je garde Lucario sur moi? Qu'est-ce que j'ai comme CT d'ailleurs pour lui? Et pas grand-chose quoi. Et balayette quoi. Après il a point boost aussi. Un peu fatigué, hein, désolé. Hein, mais ouais. Je suis un peu fatigué, donc voilà, comme ça moi je donne une très mauvaise impression. Déjà on va enlever ce Stridoson qui me sert à rien. Après si je prends pas Brazegali, c'est-à-dire que... Voilà, en vrai, ça serait peut-être mieux que je prenne Lucario par rapport au reste de mon équipe, quoi. Écoutez, pour l'instant, je vais prendre Lucario et puis on verra. Hein, voilà, j'ai décidé. Et du coup, la sortie, c'est par là. D'accord. Non, si c'est pas le destin. Ça fait réfléchir. Hein. Du coup, on est d'accord, c'est par là qu'il faut que je passe. Hein.
Attendez, je vais quand même vérifier, mais oui, c'est par là. Hein. Il faut aller à Port-en-Père, quoi. Faut aller à Port-en-Père, c'est la prochaine destination. Mais j'ai déjà allé là, d'ailleurs. Ah oui, le classe. Ouais. Mais pourquoi je peux pas méga évoluer? Ah si. J'étais en mode, mais pourquoi je peux pas méga évoluer? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je crois que j'avais déjà utilisé le... L'eau classe, du coup, vous dites. Bon, on va le récupérer, quoi, quand même. On est pas des animaux. J'aurais peut-être juste dû enlever l'accéléré. Hein. Ça aurait été mieux, non? Oh, je suis désolé. Je peux en faire, mais le problème c'est que j'ai plus de vidéo là, donc je n'ai pas le choix. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Vous savez, il fait froid. Il y a les virus, tout ça quoi. Donc bon. Du coup, j'ai pas besoin d'apprendre surf, c'est ça? Ah si, j'ai besoin d'apprendre surf quand même. Il est niveau 30 comme dans le vrai jeu ou pas? Ah non, il est 35, il a été augmenté. Hein. Mais par contre, il a pas une nature neutre, hein, visiblement. Il a une nature de merde. Hein. T'as une nature pour rave, mon pote. Par contre... J'ai oublié point glace. Parce que bah, je peux lui réapprendre facilement, en fait. C'est la seule raison. Et je vais reprendre... reprendre Lucario, ouais. Par contre, je sais plus où il est l'effaceur de capacité là. Parce que. Ben, j'apprends des capacités au Pokémon. Alors, ça sert à rien quoi. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que. Bon! Pas de panique, on y va du coup. Direction Port-en-Père. Est-ce qu'on va y arriver dans cet épisode là? Je. Pense. Possible. C'est possible quoi. C'est possible qu'on y arrive après. Est-ce qu'on va y arriver pour... Après, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ça, c'est la question. Voilà. On va accélérer par contre. Coolfish. Non mais je vais méga évoluer. Poser la sun et c'est déjà gagné quoi. Ah, vous voyez la méga évolution d'accélérer. Carte rouge. Oh ouais. Dante. Démontage, je gère pas. Non, démontage, je gère pas du tout en fait. Et encore une fois, je n'ai pas point clair ce qu'est Cléon, putain. Oh, yeah. Ah si, je le gère avec Azumarine Calendry quoi. Et il remet dans ce pli votre pote. Au revoir. Merde. C'est grave. Vraiment? C'est nul là et... Attendez, c'est quoi ces stats là? Ouais, quand même. Hein.
trouve ça honteux. Bon, par contre, toi. Toi, autant te dire que. Tu as passé un mauvais moment, quoi. C'est quoi ça? Oui. Ah oui, c'est ça, c'est... Eh, qu'est-ce qu'il y a dans les hautes herbes ici, là? Alors, non, c'est... Voilà, c'est ça, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Un molosse, un sécateur... Ah, y a, oui, c'est vrai qu'il y a un sécateur, on en avait parlé déjà. Ouais. Ouais, ouais. Bonjour, vous avez des objets à me donner? Ouais. Bof, mais ok. Ah, désolé, un baillet, je sais que c'est pas foufou, mais bon. Au pire, vous m'insulterez dans les commentaires, quoi. Par contre, oui, de cook. Attendez. Pour monter, c'est. Tu peux monter dessus? Ami dort, lui. Alors c'est sympa, mais je peux pas vraiment sauter à travers un enclos là, non? Ah, visiblement non, hein. Ou alors j'ai oublié comment on faisait, est-ce qu'il... Une horde de qui? Ah. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi pour Cabriolet, c'est possible. Hein. Ah mais si j'ai les bras égalis, je le récoupe, putain. Oh, on va prendre Brazegali, je pense quand même. Hein, hein. C'est chiant là. En vrai, vas-y, je vais garder ma monofeu parce que j'en ai. Parce que voilà, c'était. J'ai promis monofeu et au final, là, je suis en train de me disper. Comment ça? Oui, d'accord. Attendez. On se perd, hein. On se perd un peu là. Je suis en train de me disperser, c'est pas bon ça. Ah, ouais. La maîtrise de la manette, hein. Allez. Ok. Ouh. Du coup, l'objet qui est là, j'ai pas compris comment c'est pour l'avoir. Hein. Ça se trouve, on peut sauter cabriolène les enclos, mais... Oh, en plus l'objet était fou, hein. Enfin, c'est toi qui soit l'embray, hein. Je pense clairement pas que les restes étaient là dans le vrai jeu, hein. Je vais pas vous mentir,
Ça m'étonnerait. Et c'est très bien. Même si pour l'instant on les donne à personne, c'est très bien. En soit que je vois chausser hyper, j'ai bien compris qu'il t'avait pas mon tracofeu de toute façon. Ah si. J'étais mauvaise langue. Ou alors un crémeux. Crémeux, il se fait même pas de HKO, je pense. Ah, il a pas Isogresse. Du coup. Ah, lui, il va tenir, lui. Lui, il a mon vol. Et non. En fait, j'ai rien dit. Il tape comme un sourd, votre pote. Mais c'est juste que. Ben, tout à l'heure, il est tombé sur un Pokémon avec du bulk. C'est vrai qu'il y a méga farm dans le jeu. Ouais. Non mais vraiment j'ai aucun moyen d'avoir cette... Oh la dinguerie! Et en vrai s'il a une bonne nature et tout, il y a un monde où je le prends. En plus il y a Mega Scardo qui existe. Ouais, ouais. Il fait des dégâts corrects, visiblement. Correct. Bon, après, s'il a cran, tant pis, mais... Oh, la dinguerie. Alors là. Alors là. Alors là. Alors là. Il a pas l'air d'avoir cran. C'est dommage, par contre. Oh la dinguerie quoi, le Scarino Shiny quoi. Alors les Pokéball First Strike ça rentre c'est sûr. Heureusement qu'il s'était pas compris X ou j'étais sinon il était mort. Non mais Mémoire Ball ça rentre. Franchement. Après il fait quand même mal hein, malgré Il est quand même mal, ouais. Insane. Faut qu'on aille le voir. Alors là. C'est inattendu, hein. Je pense, ouais, bah, je pense que le taux c'est le même, hein. C'est 1 sur 4048. C'est pas. Pas 4048, c'est. C'est 8192 divisé par 2. Donc c'est 4100... Je sais plus. Bref, de toute façon, pour les calculs, demandez à un de mes modérateurs, c'est un expert mathématique. Bon. Ok. Je n'ajusterai pas son nom parce qu'il est très... Enfin, il aime pas... Il est très discret, quoi. Mais... Je jure. Ah, il a impudence. Ah bah, oui, de toute façon, c'est son talent. Ah bah non, il ne peut pas avoir ça aussi, mais il a impudence. Par contre, sa nature est déglinguée du cul, hein. Mais bon. Mais bon. Je vais quand même checker ses IV vite fait, hein, parce que ça m'intrigue. On se retrouve quand je les ai regardés, hein, tout de suite. Ouais, du coup, ses IV... sont pas terribles hein, hélas hélas ces IV sont pas terribles du tout puisqu'il a 2 en HP, il a 9 en attaque, il a 30 28 en défense pardon, 7 en attaque SP, bon ça on s'en fiche, il a 28 en défense spéciale, donc il a des bons IV en défense et il a 17 en speed, pas terrible malheureusement. C'est un peu tristounet, j'avoue. Un peu tristounet, hein. Il a des mauvais. Mais on, je crois qu'en plus, il n'y aura pas d'aromate, il n'y aura pas de changement d'IV, je pense. Enfin, de V, pardon. Donc, à mon avis, ça va être compliqué hein,
À moins que les changements d'IV se vendent aussi à la boutique. Enfin, les changements d'IV, c'est à partir de... De quelle génération, d'ailleurs, les changements d'IV? Ouais. Donc, du coup, je me suis renseigné. Au final, malheureusement, la pilule... Enfin, la pilule talent, c'est bien en 6G, mais les aromates sont 8G. Et les... Et puis surtout, les capsules, ce qui nous intéresse, c'est en 7G, pour changer les IV. Donc du coup, c'est plus compliqué. Enfin, c'est, du coup, à moins qu'ils aient implémenté des items dans le hack, ce qui m'étonnerait. Là, dans l'os, hein, probablement. On l'a probablement dans l'os. Hein. Je vois rien de transcendant, hélas. Donc on va pas le prendre. Dommage. Ça aurait pu être drôle. Hein. Après, mes gars, raccroche. Je sais plus si c'est Rosa ou pas. Vérifier ça tout de suite. C'est XY ou pas? Non, c'est XY. Hein. C'est XY. Donc on aurait pu avoir Mega Heracross. On aurait pu avoir Mega Heracross, mais non. Parce qu'il est trop mauvais, malheureusement. Il est trop mauvais, votre pote. On pourrait en prendre Brasigali, comme on avait dit, d'ailleurs. Et Mega Heracross Shiny, c'est comme drôle. Ça aurait pu être drôle. Ah, c'était drôle, d'ailleurs. Après, si quelqu'un sait, hein, si on peut avoir les informations d'IV et 2V que c'est quand même implémenté, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, bien sûr. Vous me spoiler, je m'en fiche. Vous spoiler ça, c'est pas grave. Mais bon. Est-ce que les pilules talents sont vendues au shop? Malheureusement, c'est apparu en 6G, les pilules talents, donc ça ne me dit pas. Et puis il y a ce Pokéball que je peux pas avoir aussi. Hein, ça, c'est... Big. Il y a l'air d'avoir un chemin pour y aller tout de même. Hein. Là, quand je repense à ce Scarino Shiny, ça me... Après, sinon, il y a le... J'imagine qu'il y a des codes Action Replay, hein, pour modifier les IV et les EV. Hein. Si vraiment je tiens à tout prix, il doit y avoir des codes, hein, j'imagine. Le Citra permet de faire ça. Code triche, ouais, il y a des codes triche. Hein. En vrai, je peux me renseigner éventuellement. On va voir les commentaires, hein, si vous voulez que je joue un Shiny, si vous voulez que je joue Scarino Shiny ou pas. Vous me direz. Vous me direz votre avis. Je vais m'enseigner pour les espèces de codes, pour les codes triches en vrai. Parce que là, ce serait pas la bonne cause là. C'est un code triche pour mettre une bonne nature. Et des bons IV surtout. En vrai, on est dans un hack difficile, donc... J'ai utilisé, hein. Si. Il y a une musique de ouf, là. Si, j'ai utilisé. Mais si, il y avait les restes. Amnesic Man. Ah, mais c'est le Shiny, hein. Ça m'a perturbé, hein. Jure. Par contre, je vais pas sauvegarder. Oh, le con du cul. Mon jeu, il plante maintenant, imaginez. J'ai plus de shiny. Je vais sauvegarder. Dramatique. Gros, il meurt pas, hein, je pense. Ah, si. Ah, si, ça y est, c'est... C'est la nouvelle machine de guerre, elle est là.
Ah, j'ai pas du tout sauvegardé, hein, effectivement. C'est bon, le shiny est safe. Y'a un objet là ou pas? Oh, il est là-bas. Rien. Ah, je vais m'enseigner pour les codes triche. C'est vrai, au final, on se demande si les aromates existent, mais au final, il y a juste que les codes triche à utiliser. C'est pas là. Donc l'objet était ailleurs. Intéressant. Parce que gentil, je veux bien, mais c'est trop guess, quoi. Ah ouais, d'accord, super. Oh non. Oh, on va se faire chier. L'emmerdement est total. Peut-être que tous les Magikarp meurent de l'âme d'air, hein, pitié. Puis bon, il faut sûrement avoir des Léviators aussi. L'emmerdement est complet. Par contre, il a sûrement mis l'obilus, c'est ça? Non? Peut-être pas. Hein? Putain, mais il prend zéro, votre pote. En vrai, il avait deux bons Pokémon et 4 cauchemardesques. Toxique. Un pis toxique, c'est mieux. Après, je dis que c'est mieux, mais. Moi aussi, c'est mieux parce que je pense qu'il y a des combats où on sera bien content. De... Et je. Un chemin? Oh, Giro. Et azur. J'ai oublié ce chemin. C'est pas un dresseur lui. Pff, il m'a pas raconté alors. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je sais pas. Ah, c'est le main Pokémon de la team lui hein. Ça y est là il est là. Hein. Il est là. Hein. Il est dans les starting blocks, hein. Même si pour l'instant, il y a des attaques un peu gaze, hein, encore. Ah bon. Ok, donc visiblement, il a glissade, hein, on dirait. Jean-Edouard, le... Jean-Edouard de Love Story? Ok. Ah non, il fait non. Pas du tout. Ah mais y'a quoi là-bas? J'ai oublié cet endroit. Hein. Premier degré. Pour lui, c'est un vrai sort, hein, non? J'avais dit que j'allais arriver à la prochaine ville, mais en fait, je crois pas quoi. Et tu meurs. Spoilers, tu meurs. Ouais.
Ah bon? Les points éclairs manquent en fait là, putain. Quel seum. Ah, je recommande Pokémon Sauvage, ouais, mais je sais pas ce qu'il y a là-bas. Rien du tout en fait. Ah si. Il y a une grotte. Comment ça? Et je me souviens plus de rien. Hein, c'est même une dingue, hein. J'ai tout oublié. Hein. Pokémon ici. Mais c'est pas possible, il y aura un légendaire plus tard dans le jeu. Je crois le contraire. I refuse to believe the contrary. Ouais, c'est bien. Et du coup? Mais c'est nul là. Et je peux aller plus loin? Ah oui? Oui, d'accord. Je suis arrivé au bout. Visiblement, je suis arrivé au bout. Bien. Et du coup, je peux pas aller là. Je vais me faire foutre quoi. Non, mais c'est... J'ai oublié que c'est aussi grand que ça. Non, mais mon Draco fait KO. Mais attendez, je vais le revive là. Je vous jure. Ah, j'ai que deux rappels. Oui, oui, mais... Vous inquiétez pas, c'est pas bien. Allez, je vais te casser la gueule, là. Ah, peut-être pas. Si, c'est bon. C'est imperdable. Ah. Si, c'est imperdable, allez. Hop. Alors, hop, lui, là. Ah bon, t'es volant, toi. Tricheuse. Hein. Oh, t'es vachement volant. En fait, c'est ceux qui ont l'évitation aussi qui. Oh, c'était nul là. Hein, Tu donnes un objet? Ah non, tu donnes rien. Tu. C'était là pour casser les couilles, quoi. Oui, je connais ça, frère. Ouais, c'est bien. Putain. Ouais, d'accord, hein. Et c'est quand que... C'est bon, j'ai tout visité, là? Visiblement, non, hein. Et c'est pas là que je peux récupérer mon item que j'ai jamais eu, là? Je sais pas. Comme vérifier que j'ai pas oublié que j'ai un oublié genre à droite. Apparemment pas. J'ai pas fait cette zone. Hein. Pas fait, je vous le garantis moi. Une grande perle. 44 minutes de vidéo? Non mais tout va bien. Tout va bien. De toute façon, après il y aura des coupures, hein, mais tout va bien quand même quoi. Ce n'est pas d'objet ici. Il n'y a pas d'objet. Ah bon? Ah bah heureusement que j'ai pas fini ma phrase parce que sinon j'aurais été dans l'obligation de fermer ma chaîne. Hein. Et là, s'il y a pas d'objet, j'arrête YouTube, j'allais dire. Mais je l'ai pas dit donc du coup j'arrête pas YouTube quoi. Très bien. Et j'utilise ça en fait. Ouais, super. Très bien. Le jeu m'a bien pranké. Ah, mais je suis pas compté, toi. Mais si. Reviens. Pour rayon, mais j'ai pas de Pokémon. Enfin, j'ai pas d'attaque plante là sur lui. Vivement que je trouve l'ensoleil, là, c'était. Puisse. Enfin jouer Dracofeu à son plein potentiel, bien sûr. Bon, Roselia, il est gratos là. Hein. Ah, il est pas mort, lui.
Le temps que tu perds c'est de la pluie, moi je te suis, je te mets KO. Hein. Voilà. Bon. Je pense que j'ai tout fait. Hein. Si j'ai oublié quelque chose. Dites-le moi au pire. Ah, mais c'est vrai que là on a une meilleure vue. Ah, mais il y a un dresseur aérien là-bas. Eh. Non? Non, il s'en fout lui. Ok. Il a pas envie de m'affronter visiblement, votre pote. De toute façon, dans tous les cas, il donne rien. Hein. C'est juste pour. Juste pour le style hein, de les affronter. Hein. Au final, ils sont aussi inutiles là. Ils en ont l'air. Ah oui, d'accord. Roi Gada. Le pire, c'est que la route, je l'ai pas terminée. Hein. Je crois pas que ce soit fini. Hein. Ah. Ça va. Hop. Voilà. On apprend tout, hein. Vitesse. On est en x2 ici, hein. Comme les vidéos YouTube, Chips regarde 100x2. Hein. Et du coup, là, si on regarde la vidéo en x2, du coup, il va regarder en x4 quelque part. Je vais réfléchir à ce que je viens de dire, hein. Je sais. Ah, bah voilà, si, porte en paire. En fait, c'est bon. En fait, j'ai fini la route. J'ai visité cette zone-là en plus. Par contre, j'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour. Pour aller récupérer le thème, je sais pas, hein. Parce que peut-être qu'on pouvait vraiment faire quelque chose avec Cabriolène. Hein. Il y a un truc à faire là-bas, c'est pas possible autrement. Il y a un chemin là. Mais oui, il y a vraiment un chemin, attendez. Hein? Comment ça? Faut que je sache là, ça me surlupine de trop là. Hein, quoi? Ok. Il y a quelque chose que j'ai manqué sur cette route. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y a quelque chose que j'ai manqué sur cette route. C'est sûr. J'ai manqué quelque chose sur cette route et. C'est en train de me. De m'intriguer. Oh, j'utilise, je m'en fous. Ah mais c'est là en fait. Non mais si on peut sauter Cabriolène. Ah bah voilà. Ah, je le savais. Je savais qu'on pouvait faire ça. Du coup l'objet on peut le récupérer c'est ça? Oui, on peut. Mais j'ai compris comment. Par contre, il y a des objets ici. On le passe pas, moi. Il n'y a pas d'objets. Ok. Allô? Ah oui, super. Tout ça pour cette merde. Très bien, c'est très bien. Bon, ça, c'est par contre, cet objet-là, c'est le banger. Allez, très bien. Faut pas qu'il y ait des yeux. Hein. Ah. Dommage, j'aurais pas dû acheter celle que j'avais achetée pour exprès. J'aurais pas dû la prendre. Coup dur. C'est bon. Ça suffit maintenant. Ça suffit les conneries. Voilà. Merde. Bonjour. Je devrais faire un combat. Non, c'est pas le moment là. Rendez-vous devant la reine bien préparée. Oui, d'accord, mais. C'est pas le moment quand même. Où est son Pokémon, pitié?
Il va par là, visiblement. Je me doutais bien qu'il y avait un objet. Quand même, quoi. On m'a eu une fois, mais pas deux. Ah, un farm quand on avait jamais vu. Ouais, c'est le méga. Hein. On va visiter la prochaine fois. Attendez. Oh, mais c'est gaze les objets là. Enfin, élixir c'est ok, mais réveil c'est vraiment gaze. Bon, des trucs toi, non? Ah, les encens. Ah, oh, oui, des encens, ouais. Ouais. Oh là là. Encore un épisode très long, mais oulala. Ils ont changé les encens. Ah, ce serait intéressant de savoir si le dialogue dans la version anglaise serait la même. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de savoir si le dialogue dans la version anglaise serait la même, justement, parce qu'on en parlait au début du jeu de ça. Hypothèse comme quoi la version française serait pas traduite. Mais est-ce que c'est le cas dans la version anglaise? À voir. Il joue son Pokémon. Ah mais oui d'accord, mais moi je veux... Ah mais son Pokémon il est par là? Ouais. Ah c'est tout? Ah bah oui. C'était nul hein. Franchement... Ah ok, tous les jours le mec... Bah écoute hein. Bon on va s'arrêter là non? On s'arrête en plein milieu quoi. L'hôtel de la jetée. Bon je pense qu'il donnait le chance en vrai hein. D'accord. Ah ouais, ok, c'est bien. Le réalisateur du jeu, oui, ok. Et du coup, est-ce qu'il vend la Scarinoïte, le mec là, le mec là. Voilà Scarinoït. Non. Il la vend pas la Scarinoït par contre. J'avoue, il l'aurait vendu, ça aurait été un appel à utiliser Scarino. Hein. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite hein, du Let's Play, simplement. Les gens, ciao, bye, tout le monde. Et on fera peut-être du coup la quatrième arène dans le prochain épisode.